Yo les gars, c'est Trox, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour un énorme gameplay puisque c'est une nucléaire en mêlée générale avec la nouvelle arme Galil, arme qui, je le rappelle, a été mise sur Black Ops 3 avant-hier, alors je vous fais cette vidéo. Donc là, nous sommes le samedi 18 du 3 2017 et les armes sont sorties le 16, je pense, vers 17h40. Malheureusement, le temps de faire la mise à jour avec ma connexion de blédard, je n'ai pas eu le temps de vous proposer ce World First qui a été réalisé par un membre de la Aria Clan. Je me demande si ce n'est pas Physox. D'ailleurs, GG à toi, poteau, si tu regardes cette vidéo, normalement tu passeras faire un tour sur ma vidéo parce que je pense que tu as un abonné assez actif. Mais bon, maintenant pour vous dire, j'en ai plus rien à foutre de faire des World First, ou si même si je suis le dernier tant que le gameplay est rentré, voilà, je m'en bats les steaks tant que je vous le propose et que vous aimez regarder mon contenu, ben voilà, c'est ce qui me fait plaisir. Alors n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like, objectif 300 likes, je sais qu'on peut les atteindre et les gars, je vous fais confiance, faites-moi rêver, vendez-moi du rêve, éclatez-moi cette barre de like. Comme vous pouvez le voir, au niveau du gameplay, il y a des déplacements qui ne sont pas super fluides, etc. Je vais vous expliquer pourquoi, hein. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont vu, j'ai reçu ma Bird. Alors je vais vous la montrer maintenant, en cas où si vous ne me croyez pas. Elle est vraiment toute neuve, tu vois, elle est vraiment toute neuve et j'ai pas l'habitude avec les palettes. D'ailleurs, je me suis suicidé plusieurs fois en voulant sauter, j'appuie sur le joystick et en fait ça se couchait, puisque maintenant je ne joue plus en placement-déplacement, mais en tactique. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer toute ma vie, de toute manière vous n'en avez rien à faire. Et comme vous n'en avez vraiment rien à foutre, je vais vous présenter la classe qui a été utilisée lors de ce gameplay. Donc ce sera la Galil, encore heureux, vous allez me dire, avec le chargeur rapide, la poignée ergo pour viser plus rapidement, et la crosse, parce que en mêlée générale, bien sûr, il ne faut pas trop se déplacer, il faut vraiment rester dans la même zone, avec comme mortel le C4. D'ailleurs, vous m'excuserez pour les 2 ou 3 kills C4 qu'il y a tout au long du gameplay. De toute manière, la nucléaire a été faite en 3 minutes 20 si je ne me trompe pas, ce qui est pour du normal vraiment une bonne moyenne. On pourrait même la qualifier d'express, tu vois. En deuxième atout, parce qu'en atout 1 vous n'allez rien mettre puisque c'est la mêlée générale, si vous allez en domination jouer avec post-combustion, vous allez jouer avec l'atout pillard en deuxième atout. Et en atout 3, silence de mort et écoute. Et je le rappelle encore, si vous ne connaissez pas cette tactique, ce petit secret entre guillemets, vous allez dans les paramètres audio du jeu Call of Duty Black Ops 3 et vous mettez le mix Treyarch en super crunch. C'est vraiment très important les gars, quand vous avez un casque sur votre tête, vous entendez les ennemis de super loin et là vous avez tout pour réussir à votre titre explosé. Donc c'est des conseils que je vous donne, hein. De toute manière, je vous mettrai peut-être un tuto nucléaire en mêlée générale dans la description. Si vous avez envie que je vous propose un tuto comment réaliser le titre explosé sur Black Ops 3 facilement, enfin sur tous les Call of Duty confondus, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace des commentaires et n'hésitez pas aussi à me bombarder cette barre de like. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, que le gameplay vous aura plu aussi, je vais vous laisser avec l'épique réaction. Sur ce, c'était Trax et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde! Let's go les gars, let's go, titre explosé en live là, let's go! Ah, je suis refait. Ah, je suis refait, les gars. Je suis refait. Let's go!